Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. Suite et fin sur la série des cadres. Et ici, un cadre pour gens pressés. Pas de coupe à l'onglet ici, pas de feuille de calcul, spreadsheet, ni d'export vers TechDraw. Un cadre tout bête. Hein. On y va? Voilà. J'ouvre un nouveau document. Je suis dans ParDesign, je crée un nouveau corps. Une nouvelle esquisse, je vais l'avoir de dessus, ok. Je trace dans FreeCAD 0.20 tout de suite un rectangle centré. Ça m'évite de fixer une contrainte de symétrie. Voilà, clic droit, je sors. J'indique une dimension ici, 30. Ici, une autre dimension. Allez, on va mettre 60. Voilà, je trace un autre rectangle. Voilà. Oups. Voilà, clic droit, je sors, j'agrandis, clic droit, je me déplace, hein, je gesture moi ici, hein, gesture. Hein. Je sélectionne ce vertex sans presser CTRL, ce sommet, et je clique sur le petit cadenas. Il va me mettre de dimension, j'indique 10 mm, non, bah, je vais mettre 5 mm, hein. 5, voilà, c'est mieux. Voilà. Ici, je vais mettre 5 aussi, voilà, là. L'esquisse est contrainte, tout est vert, fully constrained, je coche toujours ces deux lignes. Je prends ce sketch, je le sélectionne, je crée une protrusion de 10 mm. Et voilà, mon cadre est fini. Si je veux le modifier, je change, modifie mes quelques dimensions. C'est la méthode pour finir en pressé. Voilà, j'ai tenu à vous le montrer. Voilà, à bientôt!